crois que c'est impossible. Sauf si c'est une question de vie ou de mort. Tu sais, Ernie, que tu aies fait une promesse ou non, tu peux tout me raconter. Oui. Tu as quelque chose à me dire? Non. Non. Merci, monsieur Rizzo. Mais pas de quoi. Monsieur Tequette! Ernie, non, pas maintenant. Monsieur Tequette, j'ai vraiment besoin non, de vous Ernie, parler. Non, Ernie, non, pas maintenant. J'ai un rendez-vous très important. Je n'ai pas le temps. À tout mettre sur ce pari. Mon travail, je jouerai même ma vie. Combien tu veux jouer? $5,000. C'est pas cher pour une vie. Mais on va te trouver ça. Merci, Mickey. Tu me dois du fric et tu t'amuses à faire des paris avec un autre bookmaker? Je vais te casser la gueule, moi. Écoute, attends, Tommy, je voulais seulement... Attends, il va faire un pari avec moi. Maintenant, s'il gagne, il te paie. S'il perd, il ne peut pas me payer. Alors, on pourra lui casser la gueule tous les deux. Laisse tomber, allez, viens. T'as rien pour attendre. Ça marche comme ça. Dès qu'on a notre fric, Tequette est de notre mort. D'accord. Ça fera un exemple. Thank you.
seule raison pour qu'il m'en ait parlé, c'est qu'il voulait sauver votre peau. Il voulait savoir s'il pouvait rompre une promesse. Je lui ai dit seulement en cas de vie ou de mort. Asseyez-vous. Il me semble que vous êtes dans un drôle de pétrin. Ah, c'est vrai, vous avez dit la vérité, mais j'ai rien fait pour le mêler à toute cette affaire. Bah, excusez-moi, mais ne partez pas. Jack, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez trouvé Ernie au cours d'une rafle dans un tripot? Vous savez, il n'est pas censé traîner avec des criminels. Patricia, Ernie n'a jamais vraiment été en danger. Il a franchi une clôture électrifiée sans aucun problème. Une de nos voitures est passée par là et un seul de ses gars avait un revolver. Quoi? Ils avaient des revolvers en plus? Écoutez, Patricia, tout ce qu'Ernie voulait, c'était avoir un entretien avec son prof de maths. Ne vous emportez pas comme ça. Mais je ne m'emporte pas du tout. Il n'était question que de problèmes d'algèbre et voilà ce qui se passe. Qu'arrivera-t-il quand il sera en maths sup? Ernie va très bien, il est sagement à la maison. D'ailleurs, si vous voulez en juger par vous-même, il a besoin de quelqu'un près de lui. Il s'inquiète pour son professeur. Au revoir. Mais... J'ai toujours voulu être professeur. Le professeur idéal, celui que je n'avais pas eu quand j'étais un enfant, mais je ne suis pas un bon exemple. Ernie dit que vous êtes un bon professeur. Je suis bon en maths. Vous savez, quand j'avais l'âge d'Ernie, je jouais avec de petites sommes pour rire. Maintenant, je joue pour n'importe quoi. N'importe quoi, sur le temps qu'il fera, sur la couleur de la jupe de la première fille qui passera au coin de la rue. Je passe mon temps à parier. Au football, au baseball, au basket, évidemment à la boxe. Il n'y a rien à faire, il faut que je parie. Je jure que je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. J'aimerais recommencer à jouer pour rire. Vous ne pouvez plus. Pas plus qu'un alcoolique ne peut prendre le verre de l'amitié. Vous êtes toujours en état de manque. Vous ne devriez plus jouer un sou de toute votre vie. Mettons-le en contact avec l'association des joueurs anonymes. C'est déjà fait. Les réunions ont lieu tous les lundis soirs. Je vous prendrai à 8h moins le quart. C'était moi l'original qui est allé à Las Vegas dans une voiture de 8 000 $ et qui en est revenu dans un bus de 50 000 $. Dites-moi, Ezio, jetez un coup d'œil là-dessus, tout est en ordre. Attends. J'ai une meilleure idée. Tommy a mordu à l'appât? Oui, je lui ai donné rendez-vous au bar des sports pour régler nos comptes. Très bien, nous, on sera sur place dans une petite heure. Retenez-le en parlant. On entrera que lorsque vous direz, je te joue ça en 10 points. Maintenant, avant de partir, dites quelques mots. Bah, qu'est-ce que je dis? Non, ne parlez pas si fort. Bonne chance. Merci. Bah, qu'est-ce que vous fichez ici? Je croyais qu'on se voyait au bar des sports. On a eu peur qu'entre ici et le bar des sports ait tendance à te tromper de chemin, à aller vers le Brésil. Oh, j'allais tout droit au bar. Pour ce que j'ai à te dire, je préfère ne pas être dans une pièce pleine de monde. Je sais que tu n'as pas le fric. Je te jure que je vais l'avoir. Dans une heure, crois-moi. Écoute, je suis dur en affaires. Et si je suis trop coulant avec des mecs comme toi, les autres voudront plus me payer. Mais je suis un professeur et tu sais ce que je gagne. Je peux pas sortir, moi, des milliers de dollars à chaque fois que j'en ai besoin. T'as bien des petites économies et même des petites rentes ou un petit paquet d'actions. Tu peux sûrement faire un petit emprunt. Mais tu es complètement fou. On me prêtera jamais un sou là-dessus. Y a rien à espérer de ce côté-là. Alors t'es vraiment dans de sale drap. T'aurais pu t'épargner un tas d'ennuis. Sauvez-vous, monsieur Tequette! Arrête! Qu'est-ce que tu... Attrape-moi ce gamin, ils me le font! Qu'est-ce que c'est? L'alarme d'incendie, ça arrive souvent. Collé vide? Non, il se passe quelque chose. Appel du renfort. On est en plein match, ça va pas? Mais c'est Monsieur Tequette! Prêt! Parfait!
sorti du terrain de jeu. Quel cirque. Prêt. Alors partez. Attrapez-le. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez-vous, le match est terminé. Allez les gars, relevez-vous. Les gentils, inutile de continuer la bagarre. Les méchants ont fait une grosse erreur, ça va leur coûter cher. Voilà les pénalités. Les gentils vont reprendre le ballon et les méchants vont aller au ballon. Je ne sais pas qui invente ces problèmes, mais ces gens sont malades. Allez, du calme. Jack, Ernie, on fait une petite pause pour s'éclaircir les idées. Un peu de protéines et des hydrates de carbone. Ce sera excellent pour notre concentration. Oh, on aura besoin d'un peu plus de gâteau et de lait si on doit résoudre ce problème. Ah oui? Entendu, j'ai une idée. Si on mettait au panier tout ce qu'on a déjà fait et qu'on reparte à zéro, qu'est-ce que vous en dites? Des hommes ont résolu l'énigme des pyramides, alors. Hein? Peut-être qu'on a oublié un petit quelque chose quelque part, non? Pourquoi pas, je suis pas à recommencer. Bon, c'est très bien, on y va. Deux hommes montent dans des trains marchant en sens inverse. Le train de M. Brown marche 5 fois plus vite que celui de M. Green. Si M. Brown parcourt 16 km en 1 heure, quelle est la distance qui les séparera à la fin du premier jour? Oh, est-ce que M. Brown est le type qui vendait des œufs? Oui, et je trouve qu'il a rudement tort de laisser ses poules seules pour 24 heures.